Et c'est lui-même qui a la réponse. Et le prophète a dit ça.
s'imposait pas par ses propos, mais s'imposait toujours par ses actes et son comportement avec tout le monde. Donc tel est le comportement du croyant, telle est l'attitude du croyant lorsqu'il marche, qu'on appelle la modestie ou soit l'humilité, donc dans tous les faits et gestes du croyant. Mais quand on passe dans le verset, c'est un peu bas. C'est dans quel secteur, c'est où nous les croyants aujourd'hui, on doit être modeste ou on doit être humble. Est-ce que l'humilité est demandée par vous? Non, l'humilité n'est pas demandée par vous. Par exemple, s'il y a un poste et on dit qu'on veut les mieux qualifiés, ton humilité ne doit pas t'empêcher de postuler comme tout le monde. Ton humilité ne doit pas t'empêcher de dire, ah, comme nous sommes des croyants, les imams nous enseignent chacun d'être un, donc au moins je ne vais pas m'intéresser jusqu'à ce qu'on vient vraiment m'appeler. On t'a déjà appelé, on dit qui veut, tu veux, tu t'appelles. L'humilité du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous dit dans les hadiths, il dit, إن الله أوحى إلي أن تربوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام va nous parler de l'humilité. Il dit Dieu m'a ordonné, Dieu m'a enseigné et enseigné toute la communauté à travers lui et d'être humble, d'être simple. Vous me faites comprendre. D'être simple, d'être enseigné que le prophète عليه الصلاة jusqu'à ce que personne parmi nous ne doit se sentir une voix supérieure à l'autre. Même si tu es le responsable, ne pense pas que tu es supérieur, tu es mieux que celui qui travaille pour toi. Et il continue. Et Dieu m'a ordonné aussi que personne ne doit être la source de la souffrance de l'autre pour soit le privé. Il faut éviter ça. Tu as des moyens? Oui. Mais celui-là, je vais tout faire pour que jusqu'à ce que personne n'emploie soit ton travail. Non? Il dit, ce n'est pas le comportement des musulmans. Et l'humilité dont on parle, sur le plan islamique, ça signifie quoi encore? L'humilité, pour le vieux islamique, lui, il a le pouvoir, il a la science, il a la connaissance, mais il y a une place qui est là, il faut occuper ça aujourd'hui. Il dit non, après ces derniers, il va occuper ce poste-là en attendant, je t'en ai fait, moi je dois l'aider, je dois m'absenter, je dois l'aider. C'est-à-dire regarder pour pouvoir, plan intellectuel, et financer, dit non, celui-là, moi je préfère ces derniers. Par exemple, encore, nous sommes à la mosquée, on voit un plus sachant, et il donne la place à son élève, c'est-à-dire celui qui l'a enseigné, dit-toi, faut diviser la prière. L'humilité en islam, c'est ce que ça signifie, comme le prophète Mohammed l'a donné maintenant, un jour, qui était avec la sur la prière. Mais il allait réconcilier les gens et il vient trouver que les gens ont déjà commencé la prière. D'autres pensaient que non, le prophète allait se faire voir cela, pas demander à Abouba de se retirer. Non, il a suivi Abouba pour se dire dans sa prière. Pour qui Abouba a souhaité se retirer, mais le prophète allait se faire voir cela, a maintenu Abouba son poste. Donc c'est ce qu'on appelle l'humilité en islam. L'humilité en islam, il y a plusieurs endroits où on doit être humble. Premier endroit où le musulman ne croyait pas être humble, on va sentir ton humilité, c'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pries, il faut prier avec humilité. Quand tu pries, il faut prier avec la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui résume l'humilité dans la prière. Et comment être humble dans la prière? Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il priait, il faisait en sorte qu'il n'ait pas dérangé tous les c'est-à-dire les coups du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, prévalait. Lorsque Aïcha nous rapporte le hadith, que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est cherché des fois dans la nuit, son mari à côté d'elle, et elle va trouver que le prophète est en train de prier. Cela signifie quoi? Dans une petite chambre, où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam va accomplir des prières sur l'obligatoire, mais ici, il s'arrange à ne pas déranger sa femme. Mais par contre, aujourd'hui, l'autre, lui, il est toujours en état dans la prière. Dans les mosquées, il faut qu'on interprète beaucoup là-dessus. Et il vient en état toujours, c'est lui qui dirige les deuxième groupe. Des fois, on a l'impression que les deuxième groupe, là, c'était le premier groupe. Faisons attention. Si tu ne fais pas attention, ici, tu n'es pas même dans ta prière, mettez-vous à l'écart. Priez sans déranger les autres. Quand le premier groupe est bien annoncé, on sait, on prie à telle heure. Si tu es en état, prie à côté, à ne pas déranger les autres. L'humilité dans la prière, même dans la relation générale, n'est qu'une option morale.
Non. L'humilité dans la relation d'Allah subhanahu wa ta'ala, même la prière à nous, lorsque tu récites Subhanallah, Subhanallah, c'est pour toi. Allah n'en est pas derrière les autres. Donc dans la prière, pendant qu'on récite la Fatiha, quand on attend la voix des imams pour réciter la Fatiha, toi tu n'as pas appelé, tu n'es pas appelé à réciter la Fatiha. Mais pendant qu'il récite la Fatiha, même la deuxième personne, ou soit la troisième personne, à sa droite ou à sa gauche, attend les récitations qui récitent sur la. Cela n'est pas réconcilié. Dans l'adoration d'Allah, on doit rester humble. Quand on fait des signes, rester humble, on n'est pas dérangé des autres. Même en dehors de la prière, que ce soit les prières obligatoires, par exemple la prière des fêtes, vous restez ensemble à la mosquée si tu veux réciter, si tu veux lire le Coran, si tu lis le Coran pour toi seul. Néanmoins, qu'un groupe se soit accordé après chaque prière, nous allons réciter, réviser, des surat ensemble, et vous êtes tombé d'accord, vous aménagez une petite partie de la mosquée et vous décidez en tout dehors, là on peut attendre. Mais vous n'êtes pas d'accord et toi tu décides en haut pour déranger les autres. C'est là qu'il y a l'humilité. L'humilité dans la relation de l'homme pour la voie d'Allah, à commencer par la prière obligatoire, y compris dans la prière surrogatoire. Le prophète allait sur la voie salat, beaucoup de saïbas, ça c'était une expédition, l'ancêtre de la hijra, c'est-à-dire l'immigration. Lorsqu'ils revenaient de cette bataille, ils ont été gagnés. Il a commencé à sentir, à travers ses compagnons, réciter sa kirat, Allah, à haute voix. Pour ne pas les interpeller, Allah, c'est une occasion, il les interpelle, il demande ses idées de réciter à haute voix. N'hésitez pas à haute voix. La personne que vous évoquez, celui que vous demandez, il n'est pas soumis à la tâche. Si tel est l'enseignement de Mohammed Ali sur la Fasala, avec la meilleure des générations qui sont les compagnons après lui, et ici, tout le monde est interpellé dans l'adoration de Dieu, nous récitons un bon amour de Raoul à haute voix, tout le monde voit qu'on n'est pas dérangé, qui veut que c'est toi. Bon, on va être à même l'humilité toujours dans l'adoration de la Fasala, de la lorsque nous vivons avec les autres. À commencer par ta femme, ou soit par ton mari, tes frères, tes soeurs, tes collègues. On doit être honnête. On doit être modeste. Tu ne te vois pas supérieur à l'autre. Ici, notre mère Aïcha, elle est encore de Matisse. Elle a été étonnée. Ça, elle va aller dans le roi de la main. Quand elle est son ami, son roi de la main, elle va aller dans le roi de la main. Quand elle est en train de vivre, notre mère Aïcha a été étonnée. Comment le prophète Aïcha a été étonnée? En termes de l'humilité, il vivait avec vous. Notre mère Aïcha a dit le prophète, il était au service de sa famille. Être au service de sa famille, quelqu'un qui n'est pas un, ne peut pas être au service de quelqu'un d'autre. C'est l'homme qui est un, qui fait semblant de voir aller aider sa femme à la cuisine. Quand on dit ça, on dit ah, est-ce que ça arrive à ce point? Oui, ça a dépassé ce point. De temps en temps, rentrer dans la cuisine, aider votre épouse, c'est normal. Ce n'est pas interdit, ça fait partie de la journée du prophète à l'Esprit de la ce jour-là, si elle n'a pas eu l'assurance plus venant de vous, vraiment, elle ne sera pas de projet. Et ne serait-ce que prendre une assiette pour laver, disons, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est pour laver cette assiette. Cela fait partie de savoir vivre du prophète à l'Esprit de la étant humble dans sa famille. L'humilité du prophète à l'Esprit de la dans sa famille, il ne criait pas trop. Il ne supplie pas trop. Quand quelqu'un meurt, il va interpeller la personne avec toute son humilité. Quand vous voulez corriger votre enfant, restez toujours humble. On n'écrit pas sur l'enfant ou on ne fait pas ceci sur l'enfant, il faut appeler l'enfant. Et tu communiques avec lui. Les enfants comprennent beaucoup. Et si ça dépasse le niveau, vraiment, tu peux agir autrement. Mais dès le premier instant, il faut rester toujours humble dans ta famille. Humble quand tu rentres du travail, humble quand tu es avec ta famille, humble lorsque tu t'adresses à ta femme ou soit tu t'adresses à votre. C'est l'humilité du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam avec tout le monde. Mais l'humilité dans le travail, l'humilité dans le travail, même le virgile qui a l'entrée de votre entreprise, ou soit la porte, il faut être même plus d'avis de ces derniers. À commencer avec votre chauffeur, restez un peu avec lui. C'est faire partie des critères, des comportements des croyants comme cité dans la sourate 25, verset 36. Pour dire, si nous, les croyants musulmans, la communauté du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements du messager, on ne fait pas d'abord ou soit enseigner les enseignements de Mohammed en un mois, pas du tout. Même en un, on ne fait pas.
Mais il faut vivre avec les enseignements de Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est à travers ce comportement que nous allons nous améliorer et nous allons nous identifier sous le prophète alayhi salatu wa salam. Troisième endroit où on doit être même dans nos comportements, nos habillements. L'humilité, même dans l'habillement, est recommandée par le prophète alayhi salatu wa salam. Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, à la Bukhari de Moscou, il a dit pour le dire à la humanité, il est à la valeur du cœur. Il dit c'est lui qui va avoir une petite place de l'orgueil dans son cœur, dans sa corps. Là, il s'adresse à la communauté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse pas aux non-musulmans. Il dit si toi tu as dans ton cœur ce qu'on appelle l'orgueil, tu te vois supérieur aux autres, qui est le contraire de l'humilité ou de la modestie, il dit là, tu n'as pas la place pour parler. Et parmi l'assemblée des compagnons qui étaient autour de lui, il y a un qui a posé la question, bon, chacun de nous allait poser la question. Encore à la Bible, il n'a pas de la Bible, il va dire à vous, n'est-ce pas, qu'on passe dans la Bible, on passe. Il dit, qu'est-ce que vous pensez au messager de Dieu, qu'un homme ou soit des femmes, qui aiment toujours bien s'habiller, pour des vêtements bien propres, des soucis bien propres, ou soit des trucs qui coûtent cher. Évidemment, il y a des gens d'ici dans l'islam, que le prophète, alayhi salatu wa sallam, va répondre à ce sujet. Il dit, non, pas à Dieu, du coup, nous diamant. Dieu est beau. Et Dieu aime la beauté. Dieu aime tout ce qui est joli. Donc il dit, je ne parle pas d'un homme qui aime bien s'habiller. Dieu lui a fait grâce, alhamdoulilah, il s'habille comme il faut. Dieu lui a fait grâce, il a vu aussi sa femme comme il faut. Dieu lui a fait grâce, il a vu ses enfants et ses proches comme il faut. Il dit, je ne parle pas de ces derniers. Mais par contre, je parle de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est qui? Il dit, il n'a pas de l'orgueil. Il dit, l'orgueil ici, contraire de l'humilité. C'est ce qu'il a, même si on lui dit la vérité, il se montre orgueilleux, il n'en sait pas, mais il regarde les gens toujours avec l'œil du mépris. Il regarde les gens toujours comme inférieurs à lui. Il regarde les gens toujours comme ils sont obligés à l'obéir. Donc quand il regarde quelqu'un, il ne regarde pas la personne comme la personne est en bas de toi, comme lui, il fait comprendre. Du point de vue, quand on regarde dans le Coran, lorsque tout le monde va conseiller son enfant, dans ce Coran 31, verset 18, Ousmane va dire voilà ton enfant, voilà tout cela, il parle de la calinasse, voilà tout ce qu'il a fait. Il dit à son fils, oh mon fils, après la recommandation d'adorer à la richesse, il dit lorsque tu marches sur terre, ne marche pas avec l'orgueil, ne regarde pas les gens avec le mépris, ne regarde pas les gens qui sont inférieurs à toi, toi tu es supérieur, ils sont obligés à te servir. Et quand les gens apportent des idées, tu rejettes toujours les idées des autres, c'est toi qui es le supérieur, c'est toi ton idée qu'on a à utiliser. Venez avec moi encore, dans la vie du prophète alayhi salatu wa sallam, son humilité, lorsque le compagnon il s'est converti à l'islam, ça n'a pas duré. Et il vient voir le messager alayhi salatu wa sallam. La vie que vous venez de donner, c'est une révélation ou c'est votre propre effort. Le prophète dit que ce n'est pas une révélation, c'est mes propres efforts. Et le prophète il va faire sa proposition, la proposition de ces derniers. Qui vient d'embrasser l'islam, le prophète va légitimer sur la vie. Et en utilisant la proposition de ces derniers, et puis va leur donner la victoire. Ça, c'est le messager, l'humilité du prophète par l'islam pour cela, avec tout le monde. Donc, chers croyants, quand on vit avec les gens, il faut travailler avec les idées des autres. Ne prends pas l'initiative, prends l'initiative, mais la décision est toujours très lourde. Il faut associer tout le monde à la prise de décision, et ça va partir de là, les gens vont t'aider lorsqu'il s'agit de l'humilité. Et enfin, l'humilité du prophète alayhi salatu wa sallam, qui est recommandée à chacun de nous. Le prophète dit, dans un hadith rapporté par le prophète d'Allah, il dit, lorsque vous avez votre domestique à la maison, ça peut être un homme qui travaille, qui prépare pour vous, ou soit une femme qui prépare pour vous. Il dit, lorsque la personne vous apporte de la nourriture, l'humilité du prophète alayhi salatu wa sallam, lorsque la personne vous apporte de la nourriture, et il vous invitera, patron, votre repas est servi. Le prophète alayhi salatu wa sallam, invitez la personne à table, à venir manger avec vous, celle qui travaille. Si vous ne pouvez pas le faire, donnez aussi à la personne ce que vous allez consommer, vous allez manger. Savez-vous pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam a dit tout ça? Il dit à la fin du hadith, quand la personne a fourni l'effort, a fourni des efforts, il y a la chaleur dans la cuisine. Il y a pas mal de choses. Est-ce que mon patron va apprécier? Est-ce que mon mari va apprécier? Et à la fin,
Quand vous venez dire à la personne, ah vraiment, je n'aurais pas été délicieux, merci beaucoup, j'ai bien mangé. C'est la satisfaction que le prophète, l'humilité du prophète, alayhi salatu wa salam, dans ses hadiths. C'est là où on amène chez nous, quand on finit de manger, dans notre tradition, avec lui, papa Barka, maman Barka, Lipa. Donc, il ramène chacun à l'origine de ses hadiths qu'on doit être reconnaissant, on doit être un, même si c'est toi-même qui donne de l'argent, soit la dame pour qu'on prévale. Chers frères et sœurs en Islam, si on veut parler de l'humilité de Mohammed Ali Salatu Wassalam, tu ne voulais pas, comme je l'ai dit, même en un an, on ne peut pas. Mais nous retenons quoi? Nous qui apprêtons les papas, nous qui apprêtons les voitures, les transports en commun, les transports publics, restez toujours même. Celui qui est en face de vous, est-ce que vous avez compris, montrez votre qualité de croyant. Ce n'est pas à cause des 200 francs que vous allez perdre une journée. Ce n'est pas à cause des 500 francs que vous allez perdre la vie, ça arrive des fois. Parce que qui refuse de donner ma monnaie 500 francs pour combien en préservation de ta propre vie. Laisse ton 500 francs à trouver du Dieu et continue ton chemin. Prie à votre soin pour voir la vie. Donc le croyant musulman doit partager l'islam partout. Même en achetant quelque chose à la boutique, si ça sans que ça va dégénérer, ça va pas tourner entre toi et le commerçant. Tout autre moyen, cherche plutôt une porte de sortie, ne cherche pas ailleurs. Car là, nous avons la bonne compréhension, et car là, nous sommes sur le droit chemin. Car là, part de nous, des croyants cités dans ce droit de focal, chaque jour, lorsqu'il marche avec humilité. Lorsqu'il part avec humilité. Lorsqu'il regarde, il regarde avec humilité. Face à ce droit de focal, on soit parmi ces croyants. On peut les corriger d'abord, parce que la bonne. Gracias.